Bonsoir, nous voilà Bed & Bike, nous sommes sur la Time Station numéro 2, nous venons tout juste d'arriver, les concurrents sont partis depuis 12 heures environ. Nous sommes en présence d'Olivier qui nous accueille gentiment à Bed & Bike. Olivier, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept ? Ben déjà bonsoir à tous et puis bravo à tous ces coureurs qui se sont inscrits pour la Race Cross France et qui me font l'honneur de passer à Bed & Bike. Bed & Bike, le concept, en fait, c'est un concept tout simple. Hein. C'est un hébergement, mais dédié à une passion, eh bien, qui est le vélo. Le vélo sous toutes ses formes, hein, VTT, vélo de route, BMX, gravel, toutes sortes de vélos. Et en même temps, donc c'est de l'hébergement, bien sûr, mais de la restauration et tout... Et tous les services derrière, que ce soit des massages, de la cryothérapie, de la location de vélo et une alimentation, on va dire une restauration adaptée aux cyclistes. Parfait. Voilà. Bah, écoute, merci pour cette présentation. En tout cas, on est très très bien accueillis. Les premiers concurrents vont bientôt arriver. Ils vont aller sur le Ventoux du parking de Bed & Bike. On peut voir le sommet. La chance que l'on a, c'est qu'une fois qu'on est à Bed & Bike, on peut même voir le live de l'épreuve. Je vous montre. Voilà. Donc on peut voir l'évolution des participants. Et les participants vont donc arriver toute la nuit. On sera là pour les accueillir et ensuite ils vont partir sur le Ventoux. Voilà, donc on va faire quelques lives pour que vous puissiez voir l'évolution des participants. À très bientôt, merci.